Et voilà, salut à tous, ici Sermonès pour la découverte de Auto Cell Life Fresh Start. On va commencer cette découverte. Avant de commencer cette découverte, d'ailleurs je vais remercier le studio qui me permet de vous présenter ce jeu et de le découvrir moi-même. Ok, à propos de ce prologue, merci beaucoup d'avoir téléchargé la version prologue de notre jeu. Nénias, pourquoi c'est génial? Le jeu est encore en développement. Voilà, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut y aller? Là, j'ai perdu la souris. I had to make many sacrifices, and I reaped the rewards of those sacrifices. Everything happened the way I wanted. Till that day. Alors, tab pour passer l'histoire si jamais. Là, on se réveille. Attendez, il faut que je passe mon clavier en QWERTY. Là, on est bon. Ouais. On est bon. Est-ce que il y aurait moyen jouabilité. Non, on peut pas changer les touches. Très bien. Donc petite chambre d'hôtel a priori, ou même plus que ça, un petit appartement. Et ensuite. Donc on va gérer normalement une boutique de revente de voitures ou de vente de voitures. Bon, au niveau des temps de chargement, etc., pour rappel, on est sur un laptop de Monsieur Tout-le-Monde pour cette vidéo avec le stream en plus et la capture. Pas du tout sur un PC de compète. Ok. Alors, F pour conduire et après. Moteur C. Ok. Bon, conduite à la main gauche avec le ZQSD. Pardon Michel, hein, mais... On est ici, ok. Allez, poussez-vous là. Hop. Ça vous dérangerait pas de vous arrêter là pendant qu'on se gare ? On arrête le moteur, mission, sortez du véhicule et mettez-vous au travail. Donc, on aura un peu de conduite à faire. JNM garage, ok. Suspect entered. Here we go. Bon alors, ce qui n'a pas été vu là dans cette vidéo, c'est qu'il y a un petit tuto. Les meilleurs jours de ma vie ont pris fin avec une trahison de ceux qui me sont le plus proche. Mon emploi, ma chose, mon argent, tout est parti. Maintenant, il est temps de recommencer pour la vengeance. Ok, on l'a en français. Eh ben pourquoi pas. Alors, mission, aller récupérer votre nourriture à la cafétéria. Oui. Ok, grosse ambiance ici. Et on peut passer.
Mission, asseyez-vous et mangez. Miam miam. Jusqu'ici tout va bien. Retournez dans votre cellule. Ok. À quel moment est-ce qu'on vend des voitures ? Bientôt. Pas celle-ci, c'est là. Today, I am on the verge of regaining my freedom. I have been confined within the walls of a prison for a long time. Having to confront the mistakes of my past, I have spent days filled with regret. But now it's time to leave it all behind. Today, I am heading towards the city, gathering courage to make a fresh start. Petite musique funk rock, très bien sympa. Leaving this past behind, I have decided to take steps to fulfill a passion that I have nurtured within me for years. I want to open an art gallery in the city. My passion for cars and the thrill of the sound of engines show me that I must pursue this endeavor. I want to take control of my life and write my own destiny. Ok. Mission, aller récupérer vos objets au point de collecte. Pas par là. Hop. Ok. Alors, une photo, une valise, des clés, un téléphone. Maintenant, sortez. Ok. Bon, jusqu'ici, toujours vivant, tout se passe bien. On a connu des let's play plus courts que ça. Ah, petit chargement en cours. Nous avons des montgolfières. Ah, mais c'est la journée internationale de la montgolfière ici, ok. Tout s'explique. Waouh. Waouh. C'est bon ? Petit chargement. Ok, donc maintenant on est dans un taudis. Voilà, on nous fait sentir la différence entre la situation d'avant et celle de maintenant. Voilà. Les clés, on peut pas les récupérer. Alors, réputation 3, nous sommes débutants. 35 000 balles. Skills. On va pouvoir gagner des skills. Donc on a 10 points. En marchant. Cette capacité permet de mieux prédire les précisions des informations données par le vendeur concernant l'état du véhicule. Avec assez de talent, vous pouvez même estimer l'état du véhicule sans devoir aller voir un expert. Incroyable. Cette capacité vous permet de mieux négocier les offres de vos clients lors de la vente de véhicules. Les ventes seront ainsi plus rentables. Et cette capacité vous permet de rendre vos négociations plus rentables, de consulter les détails des dégâts de véhicules et de demander des contrôles techniques. Ok. De plus, le refus vous feront moins de dégâts émotionnels. Ok.
le prix pour obtenir cette compétence atteint niveau 10. Okay. Si cette capacité vous permet de récupérer l'argent payé par l'inspection, si le détail des informations sur les dégâts du véhicule que le vendeur vous a donné ne correspond pas au rapport d'inspection. Pareil, il faudra le niveau 10. Mais on a deux points là-dedans et ils nous disent... Ok. Est-ce qu'on peut choisir ce qu'on veut ou... Ok. Donc là on est bon. Alors la musique. Voyons voir. Musique, playlist 0. Ok. Bon. Musique parce que quand même. La photo c'est sur nous. Okay. Bon, on est parti d'ici. Mais là ça nous fait tourner la caméra quand on... Non. Ok. Mais faut pas rater la pastille, hein, sinon... Non, c'est le drame. Sympa le mode photo, les filtres, on peut pas, pour l'instant il n'y a pas de filtre a priori, intensité machin truc, balance des couleurs, la saturation, ah contraste, bah alors attendez, si il y avait peut-être des filtres en fait. Le petit filtre il était où, le warm, voilà. Hop, autofocus, ok. Visiblement des gens passionnés de photos, hein, qui ont, enfin, en tout cas il y a beaucoup d'options. Qu'avons-nous d'autre? Non. Bon, le problème, c'est ça. Je pense que quand on est dans ce mode-là, il faudrait désactiver le mouvement de... Ah, mais ça c'est bloqué. Voilà. Donc ça se... Non. Ok, bon, on va lui laisser son autofocus alors. Ok, après nous avons quoi? Prendre la photo. Bon, c'est pas ouf, mais on est parti de là. Ensuite, il les jobs. Profession active. Uber driver. On n'est pas actif, courrier n'est pas actif. Ok. Carte. Comme j'ai changé le clavier. Voilà, la carte elle est là. Ok, nous on est là. Attendez, on est où? On est au point d'exclamation ou on est... Téléportation. Q-driver, auto-bazar. Bon, de toute façon, on va aller se promener.
Et puis interagir avec les objets. Ok. Bon, là, il y a visiblement quelqu'un. Alors, voilà l'endroit, il n'y a pas grand chose, mais j'ai prévu d'y remédier au fur et à mesure. Si vous avez l'argent, on peut acheter le transfert. Tout à fait. Après, il ne nous reste que 5000 balles. Donnez un nom à votre galerie. Comment ça se passe? Entrez, allumez l'ordinateur, donnez un joli nom à votre galerie. Onglet conception de galerie. Ok. Sympa. Appareil de la galerie. Ok. Alors, maison abandonnée, bureau de luxe, machin, il y a... Oui, il va falloir de la thune. Amélioration de la galerie, apparence, nom de la galerie. Et El Stagiero. Alors, achetez votre première voiture, il nous reste 5000 balles. Moi je veux bien, mais on fait ça où? Comment? Pourquoi? On peut fermer la porte ou... Non. Attendez, parce que... On voudrait pas que les gens viennent nous piquer notre seul ordinateur et nos deux sièges pourris, là. Bon. Ça c'est chez nous, la galerie est en face, et ensuite... Hyper service. Non, c'est pas la photo qu'on veut. C'est la carte. Donc la galerie. Ah non, c'est réparation, rien à voir avec. Auto bazar. Faut qu'on aille là-bas. Bon, on peut faire de l'essence ici. Enfin, en prendre en tout cas. Peut-être se remettre un peu de musique, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens. On veut pas te changer de musique? Si. Voilà. Côté plus funky. Où est-ce qu'on va? Bon, en souhaitant que ça fasse pas de mal à la vidéo et à la diffusion après, mais non. Alors, le repair service, ok. Faut qu'on aille là-bas. Ouais, c'est gentil Michel, tu t'arrêtes. Tu nous laisses passer. Bon, la ville est un peu vide, hein. On a quelques voitures, mais ça manque de piétons quand même. Après, c'est peut-être l'heure, je ne sais pas. Et quelle heure? 19h? Bah non. Garage. Arrêter le moteur, quitter le véhicule, ok. C'était pas là. Où est-ce qu'on achète un véhicule? Auto bazar, ce serait après. Rendez-vous au marché automobile via un taxi T et achetez votre premier véhicule. Ok, d'accord. Donc ici.
Oui. C'est-à-dire marché automobile. Ah mais ça nous coûte des sous d'y aller. Hein. Chez moi, au driver. Garage. Service automobile. Donc ça, c'était la réparation. Attention parce que le taxi n'est pas gratuit. Mission, aller acheter une voiture Fiat Uno, lol. Mais là c'est plus l'heure, c'est ça? News World. Auto Expert. José, est-ce que t'as une voiture pour nous? Non. A priori, il faut qu'on attende... Ok. Ma galerie, machin truc, service de réparation, auto bazar, driver, on est là, c'est ça? Non, on n'a pas l'air d'être là. Si. Si. Donc, on prend à gauche. On va rentrer à pied parce que 25 balles à chaque fois le taxi. On pourra plus acheter notre Fiat. Ouais, bah Michel. Et les phares, non? Attendez, là on est au bord de la map. Ah, on doit être là. Rien compris, je comprends rien à cette carte. Bon, on va suivre voilà, les points de toute façon à l'écran. Ce sera beaucoup plus simple. Est-ce qu'on peut courir? Oui. Un vélo. Purée. Attendez, est-ce qu'on peut voler le vélo? Possible? Non. Dommage. Il était offert celui-là. Bon, la ville est sympa, mais pas très vivante. Hein. Ça fait un peu ville fantôme. On a quelques voitures. Ah, un Michel. Josiane, on peut pas lui parler. Hop. Je me dis que de toute façon ils vont pas nous écraser si. Ils n'oseraient pas. Donc, hop. Le canap, ok. Ah, on dort sur le canap. Je vais vous dormir, oui, 8h, vas-y. Ok. Ensuite, demi-tour. Personnage à fin. Mais bon. Je sais pas où c'était exactement. Là-bas. Oui, on va retrouver le vélo. Josiane est toujours là, elle a passé 8 heures ici. Je sais pas qui elle attend, mais
À un moment, il va falloir se rendre à l'évidence que la personne ne viendra peut-être pas. Hein. Ça me rappelle un peu les décors du jeu Kingpin. Pour ceux qui ont connu jadis. Donc, auto-expert. Voilà, là il y a des voitures, il y a des gens. Ah oui, il y a beaucoup de monde assis à côté de sa voiture, enfin debout à côté de sa voiture. Non, on peut rien faire avec lui. On fait quoi? On parle aux gens. Il nous faut une Tiat. Une Tiat Uno là. C'est genre ça. Je sais même plus à quoi ressemble une Tiat Uno. Ah non, elle est là-bas. Tiens. Et ouais. Et ben. Comment ça se passe? Ah, voilà. Alors, la Tiat Uno, 2000 balles. 2000 balles, qu'est-ce qu'on peut faire là? Propriété de la voiture, oui, c'est une épave. Il vous faut plus d'expérience. Ok. Votre niveau d'expertise, bon, du coup, on l'achète direct. Ok. Appuyez sur F. Personnaliser votre voiture. Alors, maintenant, allez au service de réparation pour réparer ou personnaliser votre voiture. Bon, déjà, elle démarre du premier coup. Bon. La ville est à nous. Hop, 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 hop. Ouais. Non, les freins sont pas excellents. Il vaut mieux prévoir bien à l'avance. Vous croyez qu'on peut prendre des amendes et tout? Pas possible. Ici. Alors, arrêtez le moteur. Et... Parlez à l'employé. Alors, on peut payer la réparation. Ok. Changer les moteurs, changer l'intérieur. Alors, on répare ça, ok. Ensuite, le moteur pour 11 balles. Ok. Là, tout est réparé, c'est ça? Customisez votre voiture et mettez-la en vente. Alors, comment on custom la voiture? Ça, ce sont nos crédits. Ok, mais là c'est juste réparé a priori. Comment est-ce qu'on custom la voiture? On a des skills de dispo. Si on retrouvait la touche. Ok, pour obtenir cette compétence, atteignez le niveau 10. Oui, bah, c'est fait visiblement. Cette capacité permet de mieux prédire la précision des informations données par le vendeur. On va mettre un point quand même, et puis ici on peut mettre un point aussi. Comme ça on a un point dans chaque. Maintenant, tuning. Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Hop.
Salut Roberto. Alors, hop. Non, pas bien là. Donc, le tuning. La peinture déjà. Ça va être une peinture made in stagiaire. Hop. On peut avoir un jaune, un peu plus jaune, s'il vous plaît. Possible. Mof, hein. Mof. Ok. 500 balles. Qu'est-ce qu'on fait là? La plaque. La nitro. On a quoi, les spoilers? Ah, si on veut en faire une tiate de course. On a quoi d'autre? Ça, c'est sur le capot. Des stickers et des néons. Et après, le moteur. Le moteur, 4500 balles. Oui, alors on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La plaque, on s'en fout. 14 000 balles la nitro. Ce genre de truc, c'est combien? 2000 balles, on n'a pas assez. 1500 balles, on n'a pas assez. Les autocollants, 1000 balles. Ah, quand même. Quand même. Non, mais on va rien acheter. Et les néons? 1000 balles aussi. Ok. Bon, ben on va rien acheter de plus. On va juste refaire la peinture, c'était déjà bien. Ok. Donc après, il va falloir la mettre en vente. Le capot affreux. Oui. On va par là-bas. Hop, 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 hop. Il faudrait custom les freins surtout. Tout à fait, on roule en plein milieu de la rue. Et c'est pour pouvoir prendre nos virages un peu plus larges. Ici, menu voiture. On a quoi? Les publicités, les apparences de la galerie, les échanges, les factures et le commerce. Voilà, Tiatuno, 3000 balles. Vente libre, on peut la mettre un peu plus cher. Ouvrez vos talents pour voir si c'est abordable. Alors, attention, si vous mettez les véhicules en vente à des prix démesurés, vous n'aurez pas de clients. Ok. 1000 balles. On l'a acheté combien d'ailleurs? Je me souviens plus. Attendez, on va la pousser à 7500. Ah, là on nous dit c'est trop. On voit la petite barre là derrière. 10 000. Ok. On ferme ça. Et ensuite, vous avez faim. Attention, la faim fait perdre de la santé. Ok. I'm very hungry. Oui, bah. On va se faire écraser. Hein. Heureusement, on est juste en face de la maison. Ah oui, la porte qui s'ouvre dans ce sens-là. Père. Le frigo, il est où? Là-bas? Non, ça c'est un... Ok, le frigo, il est là. Et on peut pas manger?
Qu'est-ce qu'on a récupéré? On a utilisé votre ordinateur pour mettre vos premières voitures en vente, oui. Et comment on mange? I'm very hungry. Oui, bah, j'ai bien compris, mais... visiblement, il n'y a rien dans ton frigo. Ça se mange pas. Bon, on peut pas utiliser le four ou quoi que ce soit. On peut récupérer nos couverts, c'est génial, mais... on n'a pas un inventaire, quelque chose? On a un PC ici dont on ne peut pas se servir, et le frigo... le frigo, c'est non. I have to eat something. Bah oui, mais comment on fait? C'est rigolo. Prends le taxi, est-ce qu'il nous amène quelque part? La galerie au driver, c'est ça? Vas-y. Ça doit pas être là. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on peut acheter des trucs. Venez après 8h du mat. C'est-à-dire que le mec il va attendre là toute la nuit. Repair service. Ma maison, ma galerie. Ah oui. Ah, et puis alors, on a de la force dans le genou, hein, parce que la voiture est... Kill taxi, job, map... Ah, ok, bon bah c'est le décès. C'est le décès. Ouais, mais bon, s'il y a rien dans le frigo... Il y a un piano maintenant. Il y avait peut-être déjà un piano, mais j'ai pas fait attention. Alors attendez, on va essayer d'acheter à manger tout de suite, si on peut. Et quoi, on va à la station essence acheter à manger? Ok, Josiane, est-ce que t'auras un truc à manger? Oui, tout à fait. 20 pour fin 5. Mais où est-ce qu'on voit la fin? Ici, 97. Ok. Bon. Fin 30, du poisson. Fin 25, fin 40. 200 balles la pizza. Non. On va se prendre deux pizzas. Genre, y a pas un vrai magasin, quoi, parce que faire ses courses à la station service. Il est quelle heure là? Il est 2h du mat. Il y a un Michel à côté de notre voiture là. Tu fais là, Michel. En vente à 6000 balles là. Le véhicule a l'air propre, je l'achète si on arrive à se mettre d'accord sur le prix. Il nous en propose 4800. Non, c'est pas possible pour moi. Ok, ça marche. Attendez. Est-ce qu'on peut lui... Ah. On peut pas renégocier un prix, quoi. Je sais plus combien on l'a acheté, la voiture. C'est un problème, hein. Bon, on dort la porte ouverte, hein. C'est pas grave. Hop. D'ailleurs, on aurait peut-être dû mettre une cam H24 sur notre canapé, comme ça les gens nous regardent dormir et nous donnent des subs. Ok, alors... Lui, 4890. Ok, vas-y.
Ok, deal. Très bien. Explorer Auto Cell Life. Alors, ce n'est pas la haute qualité, mais ça suffira pour ma première voiture. Très bien. Mission du tuto, améliorez-vous. Ah, West. Alors, fouillez Auto Hub Haven. On raconte que le partenaire qui vous a trahi a un business en ville qui s'appelle Auto Hub Haven. Renseignez-vous pour trouver son commerce. Pour commencer, rendez-vous au point d'exclamation indiqué sur la carte. Est-ce qu'on va nous virer cet écran, s'il te plaît? Et est-ce qu'on pourrait aller acheter une autre voiture là? Acheter et vendre deux voitures sur le marché. Non, je me souviens plus où c'était. Là-bas, c'était le truc de réparation. Ah non, c'était par là-bas que je me souviens, c'est bon. Oui, pourquoi regarder en traversant? Déjà, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une voiture pour nous, parce que... faire tout à pied là. Alors pourquoi pas, c'est écolo, ça maintient en forme, etc. Mais c'est vrai que ça prend une plombe. Toujours ce vélo là qui nous nargue. C'est quoi? C'est ici? Alors, est-ce qu'il y a un... Daily News, voiture rare repérée. Le modèle Torche PT commence à apparaître dans les marchés automobiles. Attention, le véhicule est très rare. Si vous tombez dessus, ne ratez pas une occasion pareille. Si vous achetez, votre réputation augmentera entre 150 et 180 000. C'est gentil. On en est à s'acheter une vieille épave. Hello, welcome. Combien? 37 000. Non. Attends, nous on en est à acheter ce genre de truc là. Hello, welcome. Combien tu la vends toi? 2200, allez hop. Niveau d'expertise 1. Ok. Ok, deal. Est-ce qu'il y a moyen d'en acheter une deuxième? Hello, welcome. Ok, oui. Ok, deal. La voiture est à vous, bonne journée. Bon. Alors on va amener la première. Est-ce qu'on peut revendre ici direct? On pourrait pas faire ça? Ce serait tellement cool. Ok. Ah oui, il faut la démarrer. Alors. Attention avec ta voiture à devant. Bon, ça va, conduite main gauche, on s'en sort un peu. Bien. Faudrait pas me demander de faire un chrono, mais... Ok. On va aller chercher la deuxième. La porte. Hein. Ensuite, la voiture. Alors attendez, voiture dispo. Ok. Ah mais on peut mettre les deux en vente direct depuis ici. 1000 balles, c'est trop. Ah. 5007, c'est trop. 5005, c'est trop. Attendez, mais 6000. 6000, c'est moins trop que 5005. Ah non, quand même. 5000, pas grave.
Et là, les deux ont été mises en vente au même prix. Bon, bah pourquoi pas. On va aller chercher la deuxième. Mais la deuxième, on va s'en servir. Pour aller. Est-ce qu'on pourrait fermer notre porte? Ok. Donc là, on va à pied. Attends, t'es gentil, on traverse. On va pas nous rouler dessus. Si vous aussi ça vous stresse de pas regarder où on ah mais d'accord, il y a un truc à pizza ici. Très bien. Hop. Station essence. Finalement, on fait des grands détours pour rien, hein. Il suffit de passer par là. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, on va chercher la deuxième épave. Allez, rentre dans cette voiture, s'il te plaît. Le PNJ veut pas, le personnage veut pas rentrer dans la voiture. Donc il me trompe de touche ou quoi? Non. Acheter et vendre deux véhicules. Pourquoi tu veux pas rentrer dans cette voiture? Parce qu'on t'a mise en vente là-bas? Et tu veux pas qu'on te mette en vente? Sinon on peut plus te conduire. Attendez, on va essayer. On va y retourner. Annuler la vente. Enfin, la mise en vente. On découvre, hein. On ne juge pas. Oui. Au niveau énergie, on commence à avoir faim. Et fatigué. Il est 18h déjà. Incroyable. On a passé notre journée à cavaler entre la galerie et le garage, quoi. C'était plus l'heure. Non, si. Parce qu'il y avait encore des PNJ dans le truc. Hop, pardon, poussez-vous. Alors, les ventes. Vente libre, vente libre. Ok. Ok, donc là, on n'a plus de voiture en vente, c'est ça ? Publicité, apparence de la galerie. Ok. Est-ce qu'on peut prendre celle-ci? Celle-ci, on peut la prendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas aller prendre l'autre? C'est vrai que j'ai oublié de faire un truc, c'est retaper la voiture, la réparer, la repeindre. On a mis 6000 balles d'un coup, ou 5000. Une vieille épave à peine achetée. Bon, si jamais ça passe, pourquoi s'embêter? Et madame, vous êtes toujours là, vous. Ça fait à peu près 3 jours, et vous n'avez pas bougé de votre coin de trottoir. On va finir par se dire que c'est chelou. Après, on juge pas les choix de carrière, mais... dire qu'il y a 3 PNJ dans la ville. On va se mettre un peu de musique, qu'est-ce que vous en pensez? On passe un peu sur la playlist. Petit rock à la cool.
Super. Et alors ma bagnole, elle est coincée là-dedans, c'est ça? Rendez-moi ma voiture. Bon. J'ai de retourner à la maison. Super. Donc à part faire des allers-retours, on a un point de skill. On a 6 points de skill même, incroyable. On va maximiser à fond tous les trucs qui nous rapportent plus de thunes. Hein. Ouais, c'était moins fifou que ce que je pensais. La musique. Alors attendez. Ok. On peut lui laisser une chance. Ouais, peut-être pas. Trompe de touche à chaque fois. Tiens. Hop. Oula. Jean-Michel Jarre, si tu nous regardes, c'est pour toi. Bon. Après, on peut laisser hein, le petit côté New Wave avec le néon de l'hôtel. Mais c'est vrai que ça manque de couleur un peu dans cette ville. Surtout la nuit tombe, là, il y a personne qui est... Visiblement, tout le monde dort. Globalement, c'est un peu le reproche qu'on peut faire au jeu pour l'instant. Il est un peu vide de vie, de PNJ, etc. Bon, après, le jeu est en cours de à l'habitude. Donc, on va retourner chercher notre bagnole, parce qu'on a que ça à faire. En même temps, on dirait que c'est le but du jeu. Mais se faire des petites promenades en ville. Ouais, alors attends. On t'a laissé une chance, maintenant. Oula. Attention à la soupe. Soupe incoming. Ah ouais. Salut à toi chez Gary, bienvenue sur le live. Désolé, j'ai pas fait attention à ton message, j'espère que ça fait pas trop longtemps que tu l'as posté. Ça va bien et toi? Est-ce que tu as déjà essayé ce Autolife Simulator? On est en train de faire la découverte pour le studio là. Et je les remercie de m'avoir filé la clé, mais... Maintenant il va falloir progresser dans l'aventure parce que le début est un peu long. Et le jeu, c'est Auto Life Simulator, donc qui est en cours de développement encore. Et là, c'est fermé. Il faut qu'on attende 8 heures. Il est 6h30. Est-ce qu'on a un moyen de passer le temps? Taxi map, interact, ok, les skills, my bag. L'inventaire, c'est B. On va peut-être se manger une pizza parce que, regardez, ici, on a la faim à 39. La pizza nous remplit 40. Voilà. Une petite pomme. Voilà. Photo, ok. Bon, on va pas se lancer dans la photo, même si j'apprécie la feature. Elle est bien remplie d'ailleurs, on sent que les gens aiment bien le graphisme et où la photo. Mais le problème, c'est qu'elle arrête le temps. Enfin, le problème. Alors, c'est très bien quand on veut prendre une photo, mais dans notre cas, quand on veut juste faire passer le temps. Ça ne sera d'aucune utilité. Et donc le but du jeu, eh bien, c'est d'acheter des bagnoles toutes pourries, les retaper, les revendre, et sur fond de quête, histoire. On attend, hein, encore il est 8h07, c'est bon, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. On va juste essayer de récupérer notre bagnole. Bah, il y a encore les trucs là. Peut-être pas 8h là. Quelle heure hein? S'il vous plaît. On nous dit pas revenez à telle heure. José, tu veux pas nous parler? José, hein, qui garde l'endroit.
qui ne prend pas de vacances. Est-ce qu'on peut lui piquer sa bagnole? Non, on peut. Ah, on a l'album photo, ok. Mais on peut pas lui piquer sa voiture. Goodbye. Ça y est, là c'est ouvert, mais il n'y a personne. Il n'y a personne et notre voiture a disparu. Attendez, on va sortir et revenir. Ah, ça spawn là. Ça spawn, où est notre voiture? Où est notre voiture? Il y a lui qui vend la Porsche machin à des millions d'euros ou de dollars. Bah je sais pas où est passée la voiture. Ok. On s'est fait rouler d'une voiture. A priori. Il y a tout le monde bien à côté de sa voiture, oui. Ok, bon bah retour à la maison. On s'est fait escroquer d'une voiture. Faut vraiment les acheter une par une. L'acheter, la déposer, l'acheter, la déposer. À moins qu'elle ait spawn directement là-bas, ce qui serait bien mieux pour nous. Tu nous vois traverser là, oui. On pourrait les enchaîner les musiques, ça coûterait pas grand chose. Y a pas d'autres musiques là? Galère à comprendre. Vas-y. Ambiance pin de cul. Ok. Bon, on n'a qu'une voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre les deux en vente si on l'a encore. On a les deux. Vente libre, tiens. 5000, c'est trop. On a deux Tiatuno. Je crois que le jeu bug parce qu'il comprend pas qu'on ait acheté deux voitures à la fois en fait. C'était peut-être pas prévu. Bon, et pourquoi on n'a pas le panneau là? Panneau. Ah. Alors, attendez. 4500 confirmé. Là c'est bon. Ok, c'est en vente. Il n'y a plus qu'à attendre. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on nous enlève notre... Je crois que le jeu bug, il n'y a pas... Voilà. Note pour plus tard, acheter les voitures une par une. Description de la voiture, maintenant. C'est quoi, commerce? Bon, dans tous les cas, je pense qu'on a vu faire de la pub, tiens, vas-y. Pas assez d'argent. Je pense qu'on a vu le principe du jeu, hein, les features qu'on nous proposait. Là-dessus, je vais vous remercier d'avoir suivi cette petite vidéo découverte de Auto Life Simulator. En souhaitant que ça vous ait plu, vous aurez le lien de toute façon sous la vidéo pour aller atteindre le jeu sur la page Steam si vous souhaitez soutenir ce projet. Pour ceux qui sont en live, on se fait une petite pause du cut et on revient avec une autre découverte. A tout de suite.